Oh. Olha isso aqui. Aí tá dando problema de vazamento em todos os apartamentos. A gente vai ter que fazer toda a tubulação de novo. Olha isso aqui. Aí como que eu descubro qual que é de qual aqui? Olha isso. Pegou a saída de emergência e usou para essa marmota. Olha só. Ça c'est combien ça? 30 euros? Tu peux pas faire moins? Ah ok. Du coup ça tu pourrais faire combien pour nous? 25. Tu peux faire 20? 20 de la prends. Je la prends tout de suite. J'ai pris 20. 25 c'est relou un peu ça. En fait sur les Jordan 3 normalement on prend 20. Parce qu'on l'a déjà, on a la Fire Red à la maison et celle-là on l'a déjà et on l'avait payé 20. Tu peux pas faire 20? 20 vraiment je paye direct. Vas-y, on va réfléchir, ça marche. Merci quand même. Vas-y, ok pour voir, merci. Okay. Regardez ça, le type que vous voyez en jaune prétendait être l'un des meilleurs défenseurs du basket et pariait 500$ que personne ne pouvait faire un panier. Et regardez sa façon de jouer à la main. Plusieurs personnes ont essayé mais n'ont pas réussi. Il battait littéralement tout le monde et pensait que personne ne pourrait le battre. Jusqu'à ce qu'une personne venue de nulle part arrive pour l'humilier en public. Il s'est pris le plus gros karma de sa vie. Abonne-toi. Regardez bien cette vidéo. Sur cette action, le défenseur a piégé Lucas Hernandez. En fait, alors que le ballon allait sortir en touche, Dani Olmo, le défenseur du RB Leipzig, au lieu de laisser le ballon sortir en touche, il a juste avec son pied posé le ballon sur la ligne de touche. Et à ce moment-là, Lucas Hernandez, qui du coup est en train d'arriver, il s'est dit bon bah ok, il y a touche, je prends le ballon de la main et je fais ma touche. Sauf que non, Dani Olmo a piégé Lucas Hernandez. Le ballon n'était pas sorti et donc l'arbitre a sifflé un carton jaune pour Lucas Hernandez et faute du coup pour le RB Leipzig qui a récupéré le ballon. Like et abonne-toi. I'm built different. Oh shit. Je viens de tomber sur le jeune homme. Il a mis un régular coupe skinny sexy en javelot sexy en pointe. Mate la paire de godasses. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. Bien serré, hein. Le raclo, il est stressé. No mames, no hagas esto. Estoy muy pegriloso, muy pegriloso. Deux, un, je suis là, là. Merde.
attends-moi, wesh, attends-moi. Vas-y, mon gâté, vas-y. Mais attends-moi. Pas poursuivi. Je t'attends. Monte, monte. Pourquoi tu montes pas? Mais hey, je pars, je peux pas. Cours. Il s'est barré. Mais ce fils de pute, va. Allez, descendez. Tu vas encore. Descendez. Donc ça, vous me dites que c'est vous? Oui, c'est mon frère. D'accord, ok. Mais il y a combien de temps? Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps? Ah oui, ça doit être il y a très longtemps. Chabelle-moi ce fils de pute. Je peux pas, frère. Chabelle-moi ce fils de pute. Sa mère, elle l'a fait naître. Oh putain, il m'a ramené son équipe. Regardez-les, moi, Zabi. Oh là là, bande de sales gros bâtards. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Nique ta grand-mère. Yeah.
Il y avait une actrice porno qui avait utilisé le compte d'une grosse marque pour m'envoyer un message personnel pour me proposer un date. Ça, c'est fou. J'ai évidemment refusé ce date, car c'était une période où justement, je draguais ma meuf.